Et y a tout le monde, on se retrouve sur War Thunder avec les bateaux. Du coup, c'est la deuxième, non, c'est la troisième partie des phases de test. Du coup, là, on est sur la map Icefield. En clair, on doit protéger des convois et détruire le convoi ennemi. Là, c'est un bateau d'Eka. Glorious. Je suis dans un mec. Je veux. Je suis libre! Le spawn est un peu désastreux, mais ça va. Du coup, on va contourner un petit peu histoire de pouvoir soit buter un djinn des bateaux grâce à nos torpilles, soit de pouvoir buter les vrais gens avec les canons et les torpilles. Du coup, on se retrouve dès qu'il y aura un peu plus de fight. J'ai de l'artillerie ennemie qui m'arrive droit dessus. Ah bah, je prends en feu, lol. Je veux pas cramer, mourir. Toi aussi prends cher. Toi aussi prends. T'en veux, en voilà. Allez bien. On lave les torpilles en espérant que ça touche. Je suis en train de prendre extrêmement cher, donc tout ce que je veux c'est faire des points pour après. Respawn avec le grand bateau. On a encore 11 bandes d'équipage, largement assez. Meurs. Je suis passé entre les torpilles, c'est épique. Voilà, je vais mourir. Voilà, je suis mort. Voilà. Ça a de la gueule. Et ça, c'est pas une barque. Oh, touché. Le 37 qui a touché. On essaie de toucher l'autre. Faut couler le bateau ennemi. Ok, on a perdu 2-3 membres d'équipage. On peut se le faire à ceux-là. Ah, le canon 37, à chaque fois il passe au-dessus. Tant pis, freine, 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 freine. Et de 1. Et de 2. Et j'ai survécu. Du coup, ce bateau est extrêmement sympa à jouer. Ouh, 37 qui a touché, non? Mourez. Voilà. Je dois survivre. Je prends massivement cher. Freine, freine, freine. Oh! Je suis en train de me faire marteler de partout. Lui, il est éliminé. Moi, j'ai plus de son. En fait, j'ai perdu tous les membres d'équipage à l'avant. 400... Je vais avoir 500 secondes de repas. Oh, il me reste 700 secondes de repas. Je pense que je peux respawn. Hein. Voilà. Ok, là on a les deux bots qui font de la merde. Oh merde, avance plus vite. Avance plus vite.
Bon, je m'excuse, j'ai que 40 FPS sur ce mode-là, je pense, c'est dû au fait que ce soit une bêta. Du coup, c'est un peu plus laggy le truc. Par contre, là, on a le. On a ce bateau-là qui va essayer de avoir de flanc nos bateaux, du coup, je vais essayer de le chercher. Ah, il y a peut-être bien un qui passe celui-là. Oh, on a vu le splash derrière là. Oh bah, c'est pas l'ordi qui a touché, dommage. Là il a touché. Voilà, il est immobilisé, il pourra plus rien faire maintenant. Ok, l'obus à chaque fois il passe. J'aimerais bien qu'il passe un petit peu en dessous. Ah, là il est passé juste derrière. Allez. Non, même pas passé. L'avion. Non. Touche pas nos alliés. Non. Meurs. Tu t'attaques pas à nos flottes, voilà. Bon, on est trop loin. On est en train de perdre en fait. En fait, on a égalité, du coup, faudrait essayer de buter les navires les plus proches des nôtres en fait. En fait, là, il nous reste plus que deux navires qui sont. Oh mon dieu. What the fuck? Il fait le Titanic le truc. Du coup là il nous reste ce bateau là et ce bateau là à protéger. Le non c'est que. Bon, en fait. Non, en fait il nous reste plus que celui-là. Le gros cercle, ça est pour le 37 mm. Et là on va voir qu'il va toucher. Non pénétration, ok. L'avion. Ah bon, on a perdu. Donc du coup, sur cette partie, moi, je vais vous laisser. Et je vous dis à une prochaine fois. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir plus de bateaux. Évidemment, il y en aura quand je pourrai en filmer. Sur ce, je vous dis à une prochaine fois. Allez, à plus.